L'ancrion haïtien est un grand point qui a dominé l'actualité. À la veine, nous. Actualité ici aux États-Unis, dans New York, deuxième journée procès criminel historique contre Donald Trump et jodi a li déjà condamné pour le payer une amende pour entre autres silence li pas respecté dans jugement. Aux États-Unis, toujours arrestation plusieurs dizaines d'étudiants dans le cadre de manifestations en faveur de Palestine devant attaque l'armée Israël dans Gaza. Concernant le pays d'Haïti, le Conseil de sécurité des Nations Unies, BINU et Haïti lancé appel à la communauté internationale pour agir rapidement pour éviter un génocide dans la nation Caraïbe. Ache la vie ça au cause de Wampil. En tout cas, n'abtan pour nous ça pas le passé. Et bien en Haïti, Koudzam continue à chanter dans l'alentour palais national là dans Port-au-Prince pendant préparatif pour installation conseil présidentiel transition à continuer. Et oui, préparatif à faire pour installation conseil présidentiel de transition. Et dans le moment où on a parlé là, d'après sa correspondant, nous, dans Port-au-Prince, nous connaissons à Lévini qui a fait dans la villa d'accueil, des réunions qui a fait, des tractations qui a fait, toujours dans le cadre préparatif pour installation conseil sécurité et conseil présidentiel. Exactement. Transition. Et quand nous avons établi contact avec les collaborateurs, nous, Valério, c'est lui qui était suivi pour nous. C'est en ça qui était déroulé dans le conseil sécurité des Nations Unies sous situation. Haïti, Valério. Justement, Jacqueline, nous t'avons suivi de très près hier lundi 22 avril, la 9613e séance Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a réuni une fois encore sous question qui concernait Haïti. Chef BINUA, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, qui t'a participé à travers téléconférence par vidéo depuis Port-au-Prince, t'a dit Conseil de sécurité a, que dans le commencement du mois de mars, la gang a augmenté des attaques coordonnées qui t'a visé infrastructure l'État, qui gagne la donne plusieurs commissariats à la police, avec deux dans la prison principale qui n'a Port-au-Prince. Ensemble avec l'établissement scolaire, l'hôpital, clinique et plusieurs sites religieux. Il est dit tout que semaine passée a été attaqué et a pillé l'école médicale Université d'État d'Haïti. Il était continué pour le dire que gang yo toujours a lancé des attaques contre palais présidentiel là, ça qui la cause confrontation féroce avec la police d'Haïti, oui. Ensemble avec force l'AMEA, qui fait plusieurs victimes. Et depuis 3 mars, confrontation à gang aux alentours aéroport international là, dans Port-au-Prince, et bien t'es forcé compagnie avion commercial, yo campé service, yo situation qui continue jour que journée jeudi. Il a annoncé tout que vol aérien yo t'a qu'à reprendre mois prochain. Il était bail un rapport détaillé sur l'impact de la violence gang sur la population, timounio ak fam yo. Il était dit que plus passé 6 mois depuis que le Conseil de sécurité a été autorisé déploiement force MSS là, Nations Unies doit continuer insister sur l'importance déploiement en urgence de force ça en Haïti. Deuxième intervenant par vidéo téléconférence devant Conseil de sécurité de l'ONU, c'était directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue à crime. ONUDC, Madame Gwada Wali, qui lui-même te bail un rapport détaillé sous façon que ZAM à feu et munitions continuent à vider entrer dans le pays d'Haïti, selon une dernière enquête criminelle qui était faite ici aux États-Unis, côté que yon arrivé joindre quelques détails importants sous façon ZAM à entrer dans le pays. Madame Gwada Wali, te dit Conseil de sécurité de l'ONU, d'après information du département justice États-Unis, t'es publié, yon ancien leader gang 400 Maozo, qui relait Jolie Germine, t'es dirigé opération trafic Zamio à partir de cellule dans prison. L'elle servit avec téléphone mobile pour faire appel à partir de prison sans surveillance. Yon découvrit que ancien leader gang 400 Maozo, Germine, t'es bail instruction sous façon pour faire transfert l'argent by associé criminel yon dans l'État Floride, avec explication claire sous qualité ZAM que le demandé pour te acheter. Et puis il continue bail associé yo détail sous magasin côté pour acheter zam yo à distance à remote contrôle depuis prison il t'a commandé zam à feu qui te gagne la donne gros zam automatique gros calibre zam yo t'est passé par contrebande rivière en Haïti par droum à récipient qui t'est camouflé comme si c'était mangé à attique fourniture pour caille. Tale garçon, tande bien nan parti ça. Ou nan dossier pour l'acheter manger dans dossier aide toute la sainte journée dans dossier toute bagaille a sorti à l'étranger pour rentrer dans pays d'Haïti et sécurité a vienne sous toute forme oui poison on a prendre quelle que soit façon nous passer oui comment t'es qu'à comprendre pour la police nationale maîtriser un gang et puis gang nan en de prison bandi ça a accès ensemble avec téléphone li se boss plusieurs policiers en da prison, li gen accès, li gen téléphone, la passe commande, la pachete zam à l'étranger, pour vin continuer tout yé chrétien vivant de yo. Ça vle di peuple haïtien, mette l'en prison, m kapab di, se sécurise nap sécurise gang nan. Se protection yop bali, ou liye on punition. Parce que si l'ka en da prison, et puis gang nap élargi, li gen accès ensemble avec téléphone, pour la pacheter zam à l'étranger rentrer dans le pays d'Haïti,
Si le dede ou al tap nan insécurité, si le dede ou al tap nan plus qu'elle saute parce que n'importe si vire le cap, vire la police cap passe comme ça et puis saute de ya, yo si mon lobal sou l'il mouri, mais à cause d'une prison, elle gon protection et pas n'importe si protection. Li get full access, pas vrai? Et puis la fait cause dans la République. C'est là pour comprendre. Rive mettre sécurité dans pays ya. Faut passer pour organisation droit moun qui protège gang yo. Faut passer pour la police qui en connivence ensemble avec gang yo. Et comprendre bien, pour zam nan sorti à l'étranger, pour rentrer dans pays d'Haïti dans contrebande, faut passer pour nèg ki dans la douane yo. Et c'est parce que dans pays d'Haïti nous pas vraiment produit un paquet de bagay qui sorti à l'étranger, rentrer là un pays a bataille pour que yo produit, c'est pas pour sans raison. Parce que, gon proverbe créole qui dit, mangue ap volé ou pa kon mal ou pa kon femel. L'on paye tout la sit journée, kontene diri, ed ap debake. Ou est ce sak diri, mais pa gan yen dou an dan sak la se diri. Mais si c'est dans la tibon ni ti planté, ou pa besoin ni pe, ou ap koné sa se diri, point ba. Mais, pendant pe ap passe, parce que nous décide fermer tout côté qui te kon koud. Dossier couti dans pays d'Haïti, m'a caché d'où ça presque pas existé. C'est les moun a fait uniforme ou bien bel costume. Bon, pour le moment, tout moun achete bel costume bien cher l'autre côté. Donc, bosta yo, c'est presque dans uniforme, yo fait ti kob. Et de nos jours, l'école yo arrange yo, tout prend comme ça, tout dépend lè. Est-ce qu'on comprend? Donc, les ton toile la passe yo, d'où c'est toile, mais pas gagné d'où en de toile là. Est-ce que c'est toi qui continue doubler? Kage plusieurs manches longues, gon l'autre l'école qui prend le fait qui c'est l'école gang. Résoudre problème grand goût dans le pays d'Haïti. Son gros point, papa ici. C'est ça qui fait moi-même, m'a encouragé nous continuer à planter la terre. Pendant que Port-au-Prince a fait tente, a fait gang, c'est pour toute ville province, yon mette force, yon même pour yon, gade non, travail la terre, et puis bataille, mande support. Mettez fougue pour que nous construisons canal pour nous faire manger. Quittez Port-au-Prince dans saleté, n'a propre ville provinciale, n'a mettez sécurité et n'a pas manger pour nous manger. Est-ce qu'on comprend? Et n'a mettez sécurité dans l'espace là. Si mon Port-au-Prince pas levé campé pour dire, halte là ensemble avec tout petit volet, ou qui aurait été vivant avec gang, yoa. Non, nous clés sous ça. Parce que l'autant des âmes n'ont passé dans sac d'iri, dans ghetto red là, et dans bagay qui gère rapport ensemble avec manger pour rentrer à le joindre gang yo. Là, mes chers compatriotes, vous supposez planter la terre pirate pour quantité manger qui a passé rentrer, qui gère des âmes à balle là-dedans yo, pour yo capable diminuer. En avance, garçon. Après ça, c'était tout pas directrice exécutive UNICEF, là, madame Catherine Roussel, qui lui-même t'a dit Conseil de sécurité de l'ONU, que famille continue à déplacer, quitter la caillou, à cause de zak violence gang yo. Il était estimé que plus passé 180 000 timoun parmi famille sa yo a continué à déplacer. La fois qu'on est que plusieurs représentants pays membres Conseil sécurité a pris la parole. Yo détaillé position yo sous situation pays d'Haïti. En majorité presque tout pays sa yo, tout représentant pays sa yo dit que l'important pour yo déployer en urgence force MSS là en Haïti. Bon, côté par l'ambassadeur Haïti, Antonio Rodrigue, dans tout ça que l'te dit dans la réunion Conseil de sécurité, nous retenu pour vous que l'te pesé son net d'alarme pour avertir la communauté internationale là, que y a une nécessité pour renforcer significativement et fort pour assurer respect en bagos amis d'après résolution 2700. Une façon pour empêcher bandits de jouer plus d'âmes toujours. Et pour finir, c'était tout par ministre Affaires étrangères République dominicaine, Roberto Avares Gil, qui t'a dit lui-même tout que il y a un besoin urgent pour appliquer un embargo ça, embargo sous armes, munitions, qui ont même appentré en Haïti. C'est comme ça, c'est en gros ça que nous avons retenu pour vous dans la réunion ça qui t'a déroulé hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis Manhattan, New York. Jacqueline? Merci Valério Saint-Louis. Et Konya n'a pas arrêté toujours dans New York avec pour deuxième jour procès ancien président républicain Donald Trump. Et Jean-Robert suivre pour nous et dossier ça. Jean-Robert Philippe est déjà et ancien président ou bien accusé. Il a déjà gagné une amende pour le payer parce que il a semblé que il viole les principes avec la loi. Dis-nous plus. Effectivement, la clé, et alors, il y a quelques bails qui passent entre temps, il y a entre temps juré, en fait, tribunal là, pour même juré à la caillou pour jeudi, donc il y a pour retourner encore dans le tribunal là.
et jeudi qui a venu là encore pour continuer avec Postal, donc c'est la troisième journée. Et l'autre bail qui passe là, c'est que c'est responsable magazine et une croix nationale là, lui-même qui, M. Perker, lui-même qui était gagné pour le témoin pour une deuxième journée. Mm. Et lui-même, il dit que Job Lee, il était cherché pour le bloquer tout texte ou bien tout article que monde a vienne vendre dans le journal là qui est défavorable à candidat parti républicain à l'époque là, on a parlé de Donald Trump. Donc Job Lee c'était pour faire ça parce que Donald Trump c'est un ancien ami. Donc il n'est pas pour faire ça. Concernant amende que avocat gouvernement a demandé pour demander juge là pour le faire et ancien président payé parce que il violait et règlement sous babouquet, il demandé pour pas parler, pour pas critiquer personne monde qui pourrait dans procès, eh bien, juge là, il dit qu'il ne peut pas prendre décision pour ça qui concerne ça, mais son dossier encore que la Bretagne est sous lui, mais il a un gros bouche l'ouvri avec avocat qui a défendu ancien président, après que le président dit lui-même, il considère décision juge là pour empêcher le parler, c'est une violation à droit constitutionnel. Je ne sais pas, non? Oui, il a dit le bigal parler, il dit même, il n'y a pas de bagaille comme ça. Je ne parle pas. Yo fin dil sa pou un pou del sotil parler carrément. Adje, à la misère pour champ. Christopher Conroy, yon avocat qui a défendu le gouvernement dans le tribunal Manhattan à New York, m'a dit juge Wang Merchant qui a supervisé le jugement ancien président Donald Trump pour faire payer une amende de $10,000 pour être violé l'ordre pour ne pas critiquer publiquement témoin avec l'autre monde qui est impliqué dans le procès en tant qu'actrice film pornographique Stormy Daniels avec ancien avocat président Michael Cohen. Deux témoins qui sont capables de témoigner dans le jugement historique là. Avocat dit ancien président doit payer conséquences là à cause de lui désobéir l'ordre là volontairement avec toute connaissance lui. Avocat a demandé juge là pour rappeler ancien président que lui capable de faire face merci avec conséquences plus graves s'il continue à violer l'ordre babouquette là. La loi permet juge là voyer ancien président Trump dans prison pour 30 jours maximum, ça qui est capable yon tournant dans premier jugement criminel historique qui fait contre un ancien président américain. Ancien président déclaré, décision juge là, c'est une violation droit constitutionnel, liberté la parole li gagne. Donald Trump, qui te prend la parole devant un groupe journaliste avant d'y rentrer dans le tribunal là, Bonem a dit 23 avril là, t'es parlé plutôt des élections primaires qui ont déroulé dans l'État Pennsylvanie. L'elle déclaré, moi espérer nous pral sortir pour nous al voter. L'important pour nous voter, pour nous faire connaître que nous présent 5 novembre, nous apparaît sous yo en forme. Je dis à ces élections primaires. Il est toujours important pour nous voter en faveur bon monde qui est candidat pour poste sénateur cap bon pour pays. Ça qui a passé dans une série université jeudi à c'est une honte. Dans l'occasion première journée procès, avocat gouvernement accusé ancien président, il dit qu'il violait la loi et puis tromper électeur dans l'élection présidentielle 2016. L'LTC s'est caché relation sexuelle qu'il était gagné avec actrice film pornographique Stormy Daniels avec modèle Playboy Karen McDougal. Avocat ancien président déclaré par jury client liant pas commettre aucun crime et pas gain rien qui doit n'en chercher influencer résultat yon élection et yon élé sa démocratie. Avocat gouvernement déclaré ancien président a utilisé avocat personnel li Michael Owens pour le faire paiement passer comme service légal alors que en réalité l'agent c'était pour rembourser avocat l'agent était déjà payé Stormy Daniels non ancien président. Il va dire coupable pas empêcher occuper fonction président s'il remportait la victoire face à candidat parti démocrate là Joe Biden mais ça capable affecter candidature d'après résultat sondage agence nouvelle Reuters Ipsos fait qui montrait moitié électeur indépendant yo et yon sous chaque 4 républicains déclaré yo pas voter en faveur Trump si la justice condamné pour un crime. Jean Philippe Vera Creole Washington. Donc, son dossier n'a pas pour, et t'as coupé Jean-Robert Sodil, jeudi, et ancien président a bien pour le retourner encore dans le tribunal. Ici, aux États-Unis, toujours, la police a arrêté plusieurs dizaines d'étudiants dans le cadre de manifestations en faveur Palestine, surtout devant guerre israélo-Hamas. Là, nous avons Gentil Augustin Junior qui a un détail.
Ah bon? La police t'a arrêté plusieurs douzaines étudiants pendant manifestation pro-palestinienne dans Yale University, dans Connecticut, dans New York University, dans Manhattan, à Columbia University, lundi 22 avril 2024. Là. Quelques temps après, l'université a été annulée les classes en personne pour soulager la tension dans le campus New York LIA qui a commencé dans la fin de semaine passée. Nous demandons pour rejeter et effacer immédiatement toute suspension et accusation qui sortit dans Barnard College et Columbia University dans le dossier étudiant. Et puis, pour y retourner tout droit et privilège tout de suite. Plusieurs centaines de manifestants ont défié l'ordre université pour quitter la place où ils rassemblés. Ils ont appelé bien fort pour demander aux officiels New York University pour retirer l'effort qui a rapport avec l'effort de la guerre Israël dans Gaza. Représentant 5e district congressionnal New Jersey a dit. We want Emerson College. Nous voulons Emerson College, premièrement, pour demander un cessez-le-feu immédiat dans Gaza. Deuxièmement, publier tout investissement financier dans l'organisation sioniste. Troisièmement, sortir dans l'organisation SAIO. Quatrièmement, abandonner toute accusation contre étudiants pour mes disciplinaires. Un étudiant université colombienne à New York t'a dit. I'm for free speech. Moins pour liberté la parole et moins pour liberté la presse. Et moi pense que campus université yo c'est côté qui pi important pour ça. Université Columbia gagne une histoire dans défense. Qui donc tout autant li dans la paix moins pour li. Commissaire en après pour opération NYPD te dit n'importe moun ka pote plainte depuis yo senti droit yo bafré. We haven't received any reports of any. Nous pas recevoir aucun rapport sous dommage physique sous aucun étudiant. Cependant, si gagne un étudiant juif au soir l'autre moun qui t'est attaqué au soir qui voulait porter plainte au soir qui voulait parler avec la police nous encourager yo relé 911 manifestation yo dans université yo Columbia ak l'autre campus université à travers pays a t'est commencé en réponse à dernier gros déblosaille dans conflit Israël Hamas là qui t'est commencé 7 octobre 2023 qui la cause en pile moun mouri attaque sous frontière militant islamiste Hamas yo ak réponse féroce Israël dans enclave Gaza que Hamas contrôlé. D'après Tex Waters là, défenseur droit moun yo rapporté, yon augmentation générale dans préjugé ak raïssement contre juif, arabe ak musulman depuis 7 octobre là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et nous allons dans la région Moyen-Orient pour nous toujours parler de guerre israélo-palestinien ou bien Hamas là. Côté Israël continue à mener attaques sur Gaza. Dans le moment où ils découvrent une fosse commune, tout près de complexes médicaux dans la zone. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Plusieurs Palestiniens ont assisté jeudi mardi 23 avril à funérailles d'un Tokay qui perdit la vie dans le cadre d'une descente de lieux militaires israéliens fait dans Jéricho en Cisjordanie, d'après le ministère de Santé palestinien. Responsable état juif a dit qu'il a mené une enquête sur le rapport Silla. Même jeudi mardi, mon décaroy a tout flafimé dans le ciel là sur le territoire Gaza, dans le moment où l'avion a plagué assistance humanitaire dans la zone. Bassam Al-Hawa, c'est un résident dans Gaza. Région Nord-Gaza en bas siège, n'a parlé de zone Jourou dans Jabalia. En plus de siège là, yo détruit kay mete exact bombardement sur timon innocent n'a souffri pour manque d'eau pour manque manger pas gain de l'eau aucun côté. Je vais parler au commissaire Nations Unies pour droits humains Volker Turk qui exprime choc et déroutance pour destruction centre médical Nasser et Al-Shifa dans Gaza et surtout pour ça qu'il y a pour découverte force commune avec plusieurs centaines de cadavres pile sous pile. Ravina Shamdasani, c'est porte-parole au commissaire Nations Unies. We are horrified also by the destruction of a Nasser medical complex. Je voulais exprimer choc et déroutance pour destruction complexe médical Nasser là, un complexe médical Al-Shifa mais avec force commune découvert aux alentours local ça. Nous demandons pour ouvrir une enquête indépendante efficace et transparent sur la Mossayo. À cause climat et impunité qui existait sous question 1, investigateur international t'a de fourrer bouche dans causer. Raison c'est que l'hôpital méritait une protection spéciale d'après la loi humanitaire internationale. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et oui, vous sauvez au Creole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien. Présidentiel de transition, nous allons rejoindre Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Au
Conseil présidentiel là, à travers délégué Lichli Voltaire, visité lundi 22 avril là, local Palais National, dans l'idée pour faire une idée de situation. Visite ça, qui réalisé sous gros bataille entre bandits Améo et Fos Lodio dans l'entourage Palais National, pas permettre membre conseil présidentiel yo fixer en droit ni date installation conseiller présidentiel yo. Selon yon conseiller présidentiel yo, c'est jeudi mardi conseil a décidé sous date ak en droit installation. Nous apprenons tout gen plusieurs conseillers présidentiels qui proposaient pour réaliser cérémonie installation dans yon l'autre lieu que Palais National. Position ça, yo tout pas météo d'accord parce que majorité conseiller présidentiel yo kembe Palais National pour installation en fait selon yon source qui proche négociation yo. N'a souligné après visite qui réalisé dans Palais National là, Lichli Voltaire bay yon compte rendu sur situation à collègue yo qui dans conseil présidentiel. Pendant visite ça, conseiller présidentiel là té accompagné de ancien colonel Himmler Rebu cap dirigé sous commission sécurité pour installation membre CPO. N'a rappelé que membre conseil présidentiel transition déjà s'est parlé semaine qui s'est passé là dans primati avec premier ministre AIA Michel Patrick Boisvert et puis directeur général police nationale d'Haïtien France LB. Pendant rencontre ça, directeur général police nationale d'Haïtien té bay garanti que toute disposition pral prend pour faciliter bon déroulement événement. Malgré pour qu'on gagne aucune date qui fixée pour installation en fait, Koudzam pas suspend chanter dans parage Palais National entre bandio et Fos Lodio, ça qui laissait planer un pile doute sur installation dans Palais National. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et d'après information qui vient de nous, formule conseil présidentiel de transition continue visiter diviser société à côté que gagne monde qui gagne position dépendant. Par exemple, gagné et ancien député Ulrich Cessy qui mandé pour installation en fait pressé. Nous gagne sous place dans Port-au-Prince ou dans tout ça. Par rapport à problème politique, économique et social, notamment phénomène insécurité, grand goût et chômage cap ronger société haïtienne là, ancien député Ulrich Cessy qui c'est président coalition politique mouvement patriotique pour la vie Mopal mandé 9 membres conseil présidentiel transition yo dégager yo comme Jean-Jacques pour prêter serment à installer tête yo dans Palais National semaine ça même pour yo capable adresser problème ça yo. Nous croyons que faut monsieur Damien aller plus vite parce que il est temps pour que vous retirez et peuple haïtien dans suspense ça. Wow. Donc faut faire tout ça capable. Moi remets la foi. Moi remets la foi garçon. Moi envie gon ti cal la foi comme ça tout. Oh my god. Oh, c'est intéressant. Pour au moins vous commencer rentrer dans travail pour montrer à partir de première action que vous allez poser pour montrer peuple haïtien que yo décidé tout bon vrai accompagner yo décidé tout bon vrai résoudre les problèmes sécurité qui gagne dans pays insécurité qui gagne dans pays pour résoudre pour commencer créer une situation d'apaisement pour population parce que moun qui quitte kayo pour permettre retourner la kayo parce que gagne de moun qui fait des années à construire un petit kayo pour rester à madame à petit yo et puis un bonjour et puis gang météo dehors monsieur. Député Cessir, encouragez collège présidentiel là pour choisir monde qui honnête et crédible dans cadre formation nouveau gouvernement cap remplacer équipe gouvernementale Ariel Henry pendant écarter toute possibilité séparage gâteau. Faut que CPA pas rentrer non démarre de partage de gâteau. Non pas d'être nous menti non. Ah. Avec qui tu parles? Non pas d'être nous menti. Bon, yo pa pataje gato, yo pataje responsabilité yo. Pa bay tête nou menti. Non, nous les grands moun Haïti, fann pa bay tête nou menti. Nous connaît ce gato k'ap séparé, mais pa les clan ensemble avec peuple là, n'a maquiller bagay yo. Non. Depuis qu'il là yo pa te konn séparé gato. Quel que soit Jean Viré, il pa toujours même gens.
pas rentrer dans démarche séparé gâteau. C'est pas de gâteau t'as séparé les comme ça. Ben elle a pas de gâteau fait déjà les comme ça. Pays d'Haïti sorti dans situation difficile, il pas t'a privé là tout dans dossier séparé gâteau. Pas ba tête nous menti. Hein? C'est comme si Chonne gyo ap explique m'nan la, si m'entre non boîte de nuit, si m'entre non disco, ou bien si m'entre non comment bay sa ou l'anko motel, m'ap jouen une femme qui vierge. Oui? Yon vle fè m'comprenne si m'entre non motel, kote moun kon bay de pou 5 yo. Vous comprenne? Nan époque te gen grand ri, si m'passe sou grand ri, yon vle di m'ap jouen une femme vierge la. Hein? Gé des boîtes ces garçons, ma jeune garçon qui puissent. Oh, oh. Respect nous, non. À la traque. Nous dormons, jeune conjon. Et puis, quand nous là, nous pensons que nous virer l'horloge. Nous pas faire ça, non. Oh, oh. Quand Haïtien qui a prié pour le gars. Mais non! Faut pas la bagaille comme ça. Nous connaissons qui est ce monde. Quand nous pas rentré dans le partage gâteau. Je voulais faire me comprendre bien l'arrivée de nos côtés, gen kray, gen ti fik vierge, oui. En vienne vierge. Na aide m'pese ya. Na akoupe m'chargé ya papa ici. Sou grand oui. Oui dans rue Lama. Oui, ouais ki bon n'a parlé. Dans telle zone. Comme toujours gen moun ki campé, yo voulait dire yo vierge. Ou non, y a dit nous yo vierge tout. On avance. C'est si l'entrée dans ça, ça a explosé dans mail parce que oui. Véritablement, 18 ministères pas capables de distribuer, pas y a assez de ministères et de direction générale pour distribuer à chaque grand monde. Eh bien, ça qui fait la passe en bas, son bail comme ça, lui. Son bail comme ça. Nous connaissons, ça avec l'équipe qui vole dans la fête. Et puis, quand y a là, nous voulons présenter un petit volet comme un sérieux. Et pendant y a là, oui, ben y arrive dans l'état ça. Y a tout te là, oui. Y a passé dans l'état, oui. Y a riche, oui. Ah. Donc, c'est moun qui, c'est des moun qui compétents. C'est des moun qui montrent plus ou moins au certain, au niveau de patriotisme. C'est des moun qui. Patriotisme, qui ça? Pas gaspiller que vous attendez, messieurs. Patriotisme, qui ça? Si vous même yon patriotisme, c'est moi-même, ça m'y est. M'y est beaucoup fait. Yon patriote, let's go, garçon. Gachon moun yon a l'aise de baye menti. Et tandis que yon connaît plus fort, qui fait partie des conseils là, toutes ces volets, c'est pendant yon la gang monte 17 ou comme ça, pendant yon la manger, pendant yon la. Production nationale crasé pendant yo là yo détruit magasin de l'état yo tout est là oui et puis yo c'est patriote oh my god mais non fumé d'épinasse ouais nous ka dim toute cause mais des mentiments pas accepter nous ba mwel et bon certaine notoriété pour valeur yo charrier derrière yo en dans société a c'est moun ça yo choisi pour que yo mette dans gouvernement let's go c'est le dossier que VOA créole a suivi pour vous oui n'a tout ça n'a suivi les tout VOA créole Port-au-Prince. Merci, garçon. Oui, en pile, attention braquée sur Port-au-Prince qui t'a doué recevoir installation conseil présidentiel de transition dans jour Capvin là, selon information qui arrive joindre nous. Nous allons parler un petit peu de immigration sous initiative Alan Sherwood, un volontaire américain, 28 haïtiens qui, en pile là-dedans, bénéficiaient du programme, ça aurait le programme Biden, Humanitarian Parole, eh bien, ils ont entré aux États-Unis dans le cadre d'un vol humanitaire gratis, tiché. Citoyen ça qui dépensait $40,000 pour faire vol sa rentrée dit c'est façon pâle pour aider peuple haïtien qui dans le besoin. Luxon Saint-Ville. Jeff conduit environ 4 heures de temps pour venir à l'aéroport international Miami. Il fait 8 heures à soi. Ces femmes viennent recevoir un porte là qui viennent dans 4 programmes là. Et qui est atterri là, c'est dans l'outre là, mal pour là. Après 3 étapes, Jeff, récit ou frère, avec famille, il y a cap sorti. Grand frère, Joël, qui c'est une bénéficiaire, salue l'initiative là. J'ai noté
dérapé à 3h, nous arrivons à 8h, mais tout bagaille était bien passé. Comment son belle initiative, nous avons souhaité pour l'avoir toujours fait toucher. Qu'est content, envahi Jeff, qui pas de carton encore pour rentrer la caille avec la famille. Pas de carton là, pour nous arriver là, là, pour nous enjoy, toute famille qui est à Tonyo, mon cher cœur a tellement content, la palpite est très fort. Qu'est content ça? Pas seulement pour Jeff. Sandra qui a 5 années depuis le parrain frère, dit vol humanitaire ça, c'était une véritable délivrance. Je n'ai pas espoir encore. Chaque fois que je suis en vol, je pousse le vol. Tant que je suis 16, tant que je suis 2 mai, je suis vraiment incertain. Je me dis que ma prochaine chance quand même et puis je ne regrette pas. François, qui est frère Sandra, dit le brave danger pour atteindre le cap pour venir prendre vol ça. Te carrefour nous te sorti, nous te obligé tout péripétie où qu'on est, nous passer toute étape ça au matissant tout ça, nous tomber la ville de la ville étant carrefour aéroport, nous connaissons un valier en Haïti jusqu'à ce que nous te prend bus au Cap, vous comprenez, pour nous te capable atterrir au Cap, nous passer non l'autre va encore qui c'est et Montgabrit qui côté initiative avion humanitaire gratis ça sorti. Marc Henry qui t'est lancé appel là sur réseaux sociaux. A expliqué. Son initiative que moi t'ai lancé ça a environ 8 jours que moi gon zanmi qui est Alan Sherwood qui t'est rentré à Haïti pour chercher maman papa et il t'est fait ça 3 novembre 2024 là et il t'est promet moi que il t'est pour t'aller à Haïti et lundi passé vraiment t'est reach out avec flight là t'est capable prendre 28 monde et il t'est dit Marc Henry moi capable bah jusqu'à 15 monde pour rentrer aux États-Unis que pas bien pour payer. Allen, c'est citoyen américain ça qui t'est décidé de louer un avion privé pour aller prendre n'importe port au Cap 28 moun et gain visa avec autorisation dans le programme Biden. God put it on my heart. That was important. C'est bon Dieu qui mettait ça sous kem, c'est ça qui est plus important. Les pays ici ont besoin d'aide et tout le monde doit camper pour aider, quelle que soit nationalité, parce que nous sommes seuls sous terre. Allen, qui fait exercice ça déjà en Ukraine, dit la planifier l'autre vol sur Haïti. 11h58 na aswe, puis faut bénéficier quitter aéroport Miami. Yo tout dit yo content rejoindre famille yo que yo patrouille depuis quelque temps. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luxon Saint-Ville et d'acteur non capable le reportage ça et ben et programme Biden continue à mettre la joie dans quelques familles et haïtienne qui dans diaspora. Quand on va parler de autisme qui c'est une forme d'handicap, c'est pas une maladie et mois avril là, selon Nations Unies, c'est mois côté que fait sensibilisation sur problème ça qui c'est autisme. On a loin ça plus près. Autisme premièrement c'est pas une maladie, c'est pas un bail ou cas font test sans ou pour autisme, excusez-moi, c'est un problème neurodéveloppemental. C'est une condition qui affecte le cerveau et qui automatiquement affecte tout sens ou gagne. Donc, les principales caractéristiques qu'un monde qui gagne autisme ou qu'à joindre, il y a un problème pour interagir avec l'autre monde. Il y a plus souvent paraît qu'il y a un tir dans le propre monde par eux. Il y a un problème de communication. Ensuite, il y a des comportements répétitifs. Ce sont ces trois principales caractéristiques ou qu'à joindre qu'un monde qui est dans le spectre de l'autisme. D'accord, Madame Yveline Alexandre Dil, autisme, ce n'est pas une maladie. Et devant dimension le prend en mi-temps population, Assemblée générale Nations Unies décrétée en 2008, 2 avril, comme journée mondiale sensibilisation sous autisme. Et il y a en pile organisation qui prend tout le mois d'avril là pour faire sensibilisation. Autisme 509, c'est Yon Ladayo, li gen en tête li, Yveline Alexandre. En 2012 même, Nations Unies a adopté à l'unanimité, sans manquer Yon, dans l'Assemblée générale là, il y a une résolution qui voulait gagner prise en charge dans le niveau état membre concernant besoins socio-économiques moun ak famille et même communauté qui fait face à autisme et l'autre handicap qui lié à trouble kaiti moun. Madame Alexandre dit nous, organisation mondiale par été indifférent dans lutte la mener. Réaction très positive, gagner collaborer avec nous et pas oublier nous son gros communauté haïtien aux États-Unis, nous tout partout. Donc, en plus de organisation, on dit
que ce soit aux États-Unis, Canada spécialement, même en Afrique, même en India, nous collaborer avec des organisations, parce que nous tous ensemble, nous battons même bagarre en éducation communautaire pour une meilleure acceptance avec une inclusion qui est plus juste. Donc nous toutes organisations, nous avons même objectif là. Par rapport à l'autisme, gagne un gros problème ignorance surtout dans la communauté haïtienne. Et dans ce sens, Autisme 509 joint appui à TIS et personnalité connue pour faire gagner nouvelle là et faire sensibilisation sous problème. Nous toujours gain Atis Belo qui toujours commencé mois d'avril pour monter là. Nous gain monsieur Benjamin, Lionel Benjamin qui était là et Anessa Denerseid monter à bois avec nous. Chaque monde capable contribuer non seulement dans sensibilisation sous autisme mais yon capable de respecter les différences avec les gens et encourager les parents, les familles qui font face à l'autisme. Et c'est pour nous encourager toute activité qui fait sensibilisation sur le problème. Comme tout New York, samedi 27 avril, YMCA Flatbush, Brooklyn, New York. Merci. Donc, c'était Madame Yveline Alexandre, qui lui-même est fondateur et responsable. Autisme 509 ou bien Autism Fav Onay. Elle était dit nous que 509 là c'est par rapport à indicatif et Haïti parce que là font numéro et Haïti il y a 509 là dedans. C'est pour dire nous que eh ben organisation là les mêmes liés avec et pays d'Haïti. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, on a rappelé au quelques grands points cap dominé actualité d'abord dans New York, c'est deuxième journée procès historique et contre Donald Trump, un procès criminel et jodia, il est condamné pour taper yo amende pour entre autres silence, il pas respecté dans cadre jugement ça. En tout cas, qui vivra verra. Qui moura kakara. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi, je vais quitter ou nabra papa bonche parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou. Bon, la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Foucault. Rendez-vous cassé demain matin. 7h. Bisous, bisous, one love.